Alors, juste avant qu'on commence, je voulais juste vous faire noter mon choix d'image. J'ai trouvé ça en Inde quand j'étais en décembre et ça me semblait tout à fait approprié pour ce que je vais faire pour aujourd'hui, puisqu'il y a quand même, je dirais, un élément d'anticipation, peut-être de fiction, on va voir, dans ce dont je vais vous parler aujourd'hui en matière de gestion collective. Donc, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est la décision Radio-Canada contre Sodrac. Alors, je ne sais pas jusqu'à quel point vous êtes familier avec la gestion collective et je peux. Non, d'accord, ok. Bon, je sais pas, la gestion collective, en fait, c'est un mécanisme par lequel une entité, une société de gestion collective, va gérer des licences sous forme de répertoire. Et donc, il va représenter plusieurs auteurs et permettre à des utilisateurs d'utiliser les œuvres qui sont dans le répertoire. Sodrac, c'est une société qui gère le droit de reproduction des œuvres, notamment en matière musicale. Donc, à ce titre, Sodrac a par le passé négocié des ententes avec Radio-Canada, l'idée étant qu'ils autorisaient, contre rémunération, Radio-Canada à effectuer des reproductions à des fins de synchronisation. Les temps changent et malheureusement, lorsque le temps est venu de renouveler un de leurs contrats avec Radio-Canada, Sodrac a proposé des augmentations, proposé des nouveaux droits, ce qui n'a bien sûr pas fait l'affaire de Radio-Canada, qui jusqu'ici avait utilisé ce qu'on appelle des copies accessoires de diffusion, qui sont des copies qu'on va faire dans le processus de diffusion radio-télévision pour des raisons techniques, sans payer de redevance sur l'édit de copie. Donc, lors de la ronde de renouvellement, Sodrac a décidé qu'il était temps d'obtenir compensation pour les copies de diffusion. Bien sûr, Radio-Canada n'était pas contente. Et donc, Sodrac a essayé d'obtenir de la Commission du droit d'auteur qu'elle fixe un tarif qui lui permette d'obtenir compensation pour ses copies accessoires de diffusion. J'accélère un petit peu ici, on va y revenir, mais dans le fond, elle a demandé à la Commission du droit d'auteur de fixer une redevance, ou un prix que Radio-Canada devrait payer pour ses licences, ce qui n'a bien sûr pas fait l'affaire de Radio-Canada. Radio-Canada a contesté la question jusqu'à la Cour suprême, qui nous a répondu récemment que oui, on peut tout à fait fournir une licence pour des copies accessoires de diffusion. Donc il y a d'autres personnes dans cette salle qui ont parlé extensivement de neutralité technologique. Donc aujourd'hui, on va se tenir à côté de tout ça. Aujourd'hui, on va parler de la partie de la décision qui concerne spécifiquement la gestion collective. Pour faire ça, on va commencer par un rapide retour sur le régime qui a donné lieu à la décision, l'article 72, 70, pardon, point 2 de la loi sur le droit d'auteur. Puis ensuite, je vais vous expliquer comment tout ça est rentré là-dedans. Donc, la loi sur le droit d'auteur a plusieurs régimes de gestion collective. Celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celui qu'on appelle le régime général. En fait, on l'appelle général parce que c'est un régime par défaut. Il n'est pas du tout obligatoire. Et donc, les sociétés de gestion collective ont la possibilité, mais pas l'obligation, de déposer des tarifs pour certains types d'utilisation. Donc, en termes de qui ça représente, Sodrac, pour les droits de reproduction, en est un exemple, mais ça concerne d'autres types d'utilisation et d'autres types de gestion collective, au nombre desquels celles qui vont nous intéresser pour aujourd'hui, Access Copyright, qui s'occupe de reprographie dans le Canada anglais, et Copybeck, qui s'occupe de reprographie au Québec. La manière dont ça fonctionne, c'est que la société de gestion collective, donc Access Copyright ou Sodrac, a le choix de déposer un tarif devant la commission pour certaines utilisations. La commission va homologuer le tarif et une fois que le tarif est déposé, les sociétés peuvent demander à tous les utilisateurs de respecter le tarif. Mais la loi prévoit aussi la possibilité pour les sociétés de gestion collective de négocier des ententes individuelles avec certains types d'utilisateurs. C'est ce que vous avez sur la slide ici, c'est-à-dire que, elles ont la possibilité de déroger au tarif pour aller chercher une rémunération qui convient mieux à un utilisateur particulier. Radio-Canada, c'est un bon exemple de ça parce que c'est un utilisateur qui est institutionnel, qui historiquement n'a pas les fonds d'un utilisateur commercial. Et donc, par le passé, il y a déjà eu des ententes qui ont été négociées directement entre Sodrac et Radio-Canada, à l'effet que Radio-Canada paierait des tarifs moindres ou moins élevés, parfois symboliques en fait. Et donc ça, c'était le cadre, qui entourait la relation de Sodrac et Radio-Canada. Il y avait une entente qui donnait à Radio-Canada des tarifs préférentiels. S'est agi, pardon, de renégocier, ils n'ont pas réussi à trouver un terme d'entente,
Et la question s'est portée sur l'article 72.2 de la loi sur le droit d'auteur, qui nous dit que si jamais il y a un conflit entre une société de gestion collective et une personne avec qui une entente a été conclue, ils ont la possibilité de saisir la commission du droit d'auteur pour déterminer le montant des redevances qui vont être appropriées. Donc l'idée ici, ce n'est pas vraiment de discuter de si oui ou non on doit ou pas proposer une redevance, c'est vraiment de savoir si une redevance, c'est quoi le montant. En termes de comment cette règle a été utilisée, il y a eu très très peu de jurisprudence sur la question. L'essentiel, en fait, c'est souvent justement à propos de Radio-Canada. Et le type de licence qui a été octroyée est parfois complètement symbolique. Donc c'est vraiment ce que la commission va estimer être juste dans le contexte de cette relation-là. Là où on en revient à la décision SODRAC, c'est que lorsque Radio-Canada a refusé les montants qui étaient proposés par SODRAC, SODRAC a décidé d'amener la question devant la commission de droit d'auteur sur le fondement de l'article 72.2, en demandant que la commission détermine une somme qui serait acceptable. Donc la commission a regardé la situation et a considéré que Radio-Canada devait payer des redevances sur ses copies accessoires. Radio-Canada, bien sûr, n'est effectivement pas satisfait de la décision, donc ils ont décidé de la contester, en partie sur la manière dont les chiffres ont été déterminés, puis aussi sur le fait que, considérer que, compte tenu de la situation technique et de pourquoi les copies étaient faites, on n'aurait pas dû ordonner de redevance en premier lieu. Donc, la question passe en cour d'appel fédérale. Si vous avez vu le jugement de la cour fédérale, c'est un jugement préféré. La neutralité technologique, c'est A, ou c'est B, ou c'est C, mais en fait, c'est trop compliqué, alors je vais répondre sur autre chose. Moi, j'ai trouvé fantastique cette décision. Non, mais c'est ça, c'est ça. Et donc, on espérait tous que, dans la décision la Cour suprême, la question de la neutralité technologique soit résolue, puis finalement, ça n'a pas été le cas. Bon, en tout cas, bref, c'est une digression. Mais pour ce qui est de la question de la gestion collective spécifiquement, la chose intéressante que la majorité nous a dit, c'est que les tarifs qui sont octroyés par la commission de droit d'auteur sur le fondement de l'article 70.2 ne sont pas obligatoires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut avoir une entente, être incapable de la renégocier, demander à la commission d'intervenir, qui va fixer un prix, mais à ce stade, ce prix ne va pas s'imposer à l'utilisateur. L'utilisateur a toujours la possibilité de dire « Ah non, c'est trop cher pour moi, il faut que je me trouve une autre solution. » Et puis je pense que c'est le petit lien ténu que je peux faire avec le thème de l'atelier sur l'activité législative. Ce que nous dit la Cour, c'est que si la loi sur le droit d'auteur ne prévoit pas explicitement que le tarif fixé sur 70.2 est obligatoire, ce n'est pas à la Cour de le rendre obligatoire. Donc, selon ce que nous dit la majorité, même s'il y a une décision rendue sur 70.2, les utilisateurs ne sont pas obligés de contracter avec la société de gestion collective. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Ça veut dire que les utilisateurs ont la possibilité de choisir des avenues qui sont alternatives. Et donc, en termes d'alternatives, il y en a deux dont je voudrais parler aujourd'hui. La première, c'est ce qui concerne la négociation de contrat. La deuxième, c'est ce qui couvre, on va dire, les questions d'utilisation équitable. Donc, on va commencer avec les questions de contrat. La question de l'alternative à la gestion collective, c'est quelque chose dont on parle beaucoup depuis de nombreuses années, parce que c'est vrai qu'il y a des questions de coûts de transaction qui sont liées avec la gestion collective, et c'est souvent difficile de trouver une alternative qui provienne de fournisseurs commerciaux. Donc, le problème de cette situation-là, c'est que la recherche d'alternatives va fonctionner exclusivement dans les contextes où on a un nombre de fournisseurs d'œuvres sur le marché qui est suffisamment réduit pour que les utilisateurs soient capables d'aller négocier individuellement avec eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on parle de SODRAC et Radio-Canada, il y a des chances qu'il n'y ait pas vraiment d'alternative. Pourquoi? Parce que Radio-Canada va utiliser des licences d'un nombre très élevé de fournisseurs de droits d'auteur, des contenus qu'ils ont produits eux-mêmes, des contenus qu'ils ont coproduits, et la diversité des types de licences dont ils vont avoir besoin pour ces divers types de programmes
va probablement être extrêmement coûteuse en termes de temps et de négociation. C'est vraiment un problème de coût de transaction. Là où c'est intéressant, c'est que dans d'autres domaines, puis là, celui auquel je pense en particulier, c'est celui de la reprographie, il peut y avoir des alternatives viables à la gestion collective. Pourquoi ? Parce que bon nombre de fournisseurs, on va dire, de droits d'auteur ou d'éditeurs sont de plus en plus concentrés. Dans le milieu universitaire, c'est particulièrement le cas lorsqu'on a affaire à des fournisseurs d'accès à des bases de données. Donc je pense que tu pourras parler de ça peut-être plus tard. Mais donc, voilà. Donc, le marché de la reprographie, d'Access Copyright et Copyback est un des marchés qui est intéressant parce qu'on est dans cette situation où il y a suffisamment peu de joueurs qui fournissent du matériel de droit d'auteur pour que ça justifie d'effectivement aller négocier individuellement avec eux, puis complètement se passer de gestion collective. C'est vrai que si on a trois contrats à négocier, un avec Gale, un avec, mettons, ESBC et un autre avec un troisième portail, le coût de transaction n'est pas aussi significatif que si on devait négocier avec une multitude de fournisseurs. Et donc, c'est le point de vue qui a été pris par bon nombre d'universités au pays et aussi, d'ailleurs, les gouvernements provinciaux. Donc, je suppose que vous avez suivi ça ici. Copybeck est en litige avec Laval pour cette question-là. Au Canada anglophone, c'est York qui est en litige avec Access Copyright. Dans mon université, depuis le 1er janvier, on n'est plus avec Access Copyright, on a des Fair Dealing Guidelines, et ce que mes collègues appellent les Copyright Police. Maintenant, on a un bureau du droit d'auteur qui vérifie que sur nos plateformes en ligne, on n'utilise pas des contenus qui sont copiés, qu'il n'y a pas plus de 10% des œuvres, etc., etc. Donc on est complètement passé en utilisation équitable au complet. Et donc, c'est vrai que quand on y pense en termes d'alternatives, c'est séduisant. Je veux dire, on revient à la question des contrats, on est censé pouvoir négocier, on est censé pouvoir inclure des choses dont on a besoin. Sur le papier, c'est très bien. Là où je suis un petit peu plus sceptique, par contre, c'est que je pense qu'en pratique, on n'a pas, ça n'a pas les apports qu'on souhaiterait que ça ait. C'est un problème de personnalisation. Si vous regardez c'est quoi le mot ? C'est horrible, je ne parle plus français. si on regarde les demandes qui sont faites par les utilisateurs, que ce soit Radio-Canada dans le cadre du litige avec Sodrac ou les universités dans le cadre du litige avec Access Copyright, on a vraiment un désir de personnalisation des licences. Ce que les utilisateurs veulent, c'est la possibilité de choisir ce pour quoi ils vont payer, de décider en fait, puis d'avoir leur propre on va dire bouquet de services. En pratique, je pense cependant que compte tenu de la taille respective des fournisseurs de bases de données et des universités, la possibilité de négocier est en fait pas si réelle que ça. C'est le premier problème. Le deuxième problème est que on se retrouve dans une situation où les universités se plaignaient qu'elles devaient acheter des forfaits pour toutes les œuvres du répertoire d'Access Copyright, et maintenant on se retrouve dans une situation où les universités vont devoir acheter une licence pour le journal A et être obligées d'acheter avec le journal B, C ou D de Gale, par exemple. Bon, je ne dis pas qu'ils ont fait quoi que ce soit, mais c'est le type de structure. Donc, d'une certaine manière, on peut dire qu'on remplace un monopole par un autre. Ça crée un certain nombre de problèmes. J'ai parlé de coûts de transaction, j'ai parlé de reprographie. L'exemple que je voulais vous donner, c'est l'exemple de l'université Memorial. Il y a quelques mois, l'université de Memorial a commencé à couper à travers toutes ses souscriptions parce qu'ils ont quitté la licence Access Copyright depuis 2012, donc ils ne sont plus couverts par le tarif d'Access Copyright. Mais compte tenu du fait que de la valeur respective du dollar canadien et du dollar américain, leur pouvoir d'achat de collection a diminué de manière dramatique. Et donc, ils n'ont plus les moyens de se payer l'équivalent de ce qu'ils avaient lorsqu'ils sont partis sous les guidelines d'utilisation équitable. Donc là, on a un problème parce que, parce que les transactions se passent en dollars américains, on a une perte, en fait, une érosion de la capacité d'acheter des licences du point de vue des utilisateurs. Et c'est quelque chose qui, encore une fois, ne serait pas produit si on était resté dans un système de gestion collective. Alors, je ne suis pas en train de dire que la gestion collective, c'est parfait. Mais on voit quand même que l'alternative contractuelle n'est pas nécessairement quelque chose qui fonctionne très très bien. Donc ça c'est pour ce qui est de la question de l'alternative contractuelle.
L'autre, peut-être un dernier point, on va y revenir un petit peu. La dernière chose, c'est que lorsqu'on passe par les sociétés de gestion collective et les tarifs sur le fondement de 70.2, on a quand même une intervention de la commission du droit d'auteur qui est censée agir à titre garde-fou, c'est-à-dire proposer des redevances qui sont raisonnables compte tenu du type d'utilisation. Il n'y a aucun équivalent de ce type de mécanisme-là dès qu'on commence à négocier directement avec des fournisseurs de bases de données. Voilà, donc ça c'est le dernier point concernant les alternatives en matière de contrat. La deuxième alternative qui est intéressante, c'est de se reposer sur l'utilisation équitable. Donc l'idée c'est d'aller chercher ce que la loi sur le droit d'auteur nous dit en matière d'utilisation équitable et paramétrer l'utilisation des œuvres au sein de l'université dans ce contexte-là. Donc ça veut dire par exemple utiliser que des parties réduites d'œuvres, mettons moins de 10%, ça peut utiliser certains types de documents dans certains types de contextes. Donc encore une fois, dans le contexte de Radio-Canada contre Sodrac, ce n'est pas nécessairement un problème qui est flagrant, mais c'est encore une fois quelque chose qui se voit beaucoup plus dans le contexte universitaire. Donc si vous avez un petit peu suivi ça, vous savez qu'en 2012, la loi de modernisation du droit d'auteur a introduit l'exception d'éducation. Vous avez vu que dans la pentalogie, on a modifié le domaine de la recherche individuelle, le domaine de la recherche tout court, enfin de l'étude individuelle, pardon, la recherche tout court. Et ce que ça veut dire en pratique, c'est que depuis 2012, un bon nombre des œuvres qui étaient utilisées en milieu universitaire sont maintenant couvertes par l'utilisation équitable, alors qu'elles n'étaient pas nécessairement il y a quelques années. Le problème de ça, c'est qu'on n'a pas vraiment de décision qui nous clarifie c'est quoi exactement l'exception d'éducation en milieu universitaire. Et donc, on est dans une situation où on attend une décision, la décision de York. Je pense que les audiences ont commencé cette année en mars ou en avril. On ne sait pas c'est quoi exactement l'étendue de l'exception en matière d'éducation. Et donc, en attendant, les universités, qui sont quand même des institutions un petit peu frileuses, puis je ne les blâme pas, se retrouvent dans une situation où elles ne voudraient pas payer plus de redevances que nécessaire, mais elles ne veulent pas non plus prendre plus de risques que nécessaire. Et en pratique, ce que ça veut dire, c'est qu'elles ont tendance à avoir une utilisation ou une approche qui est très conservatrice en matière d'utilisation équitable. C'est-à-dire qu'elles vont prendre une approche plus restrictive, qui diminue les risques, qui vont limiter les utilisations parce qu'elles ne veulent pas s'exposer à des poursuites. Et là où ça devient intéressant, c'est lorsqu'on réfléchit à comment est-ce que les utilisateurs pensent l'utilisation équitable. Très souvent, l'idée, c'est que si c'est équitable, c'est gratuit, ça ne coûte rien. En pratique, ce n'est pas entièrement vrai. Pourquoi ? Parce que l'administration ou la gestion du risque de l'utilisation équitable dans le contexte universitaire a un coût. Pourquoi ? Parce que dans le cas de mon université, par exemple, ça nous prend un bureau du droit d'auteur. Ça nous prend des gens qui vont vérifier que les syllabus, les courses PAC, etc., respectent les lignes directrices en matière de droit d'auteur. Et la question qu'il faut se poser, en fait, c'est plus de savoir si l'alternative, c'est gratuit ou pas gratuit. C'est est-ce que le coût de l'utilisation équitable est suffisamment intéressant ou est-ce qu'il est moins élevé que le coût de la licence ? Et c'est là que ça devient vraiment drôle. Michael Geist c'est l'extrait de son blog, j'ai mis, si vous voulez, le lien sur le slide, nous a trouvé un chiffre de l'ordre de $12 par étudiant qui serait le coût approximatif de l'utilisation équitable en contexte universitaire. Si vous comparez ça au tarif d'Access Copyright qui nous dit non, mais il faut payer au moins $20 par étudiant, vous rendez compte qu'on a un problème, qu'on a une incitation à absolument pas aller vers Access Copyright. Et ce qui est intéressant, c'est que Access Copyright a essayé, trop tard, de diminuer le montant de ses redevances. Maintenant, ils ont fourni des tarifs, je pense, aux alentours de 10 ou 15, avec une forme de personnalisation. Le problème de ça, c'est que cette offre est arrivée trop tard. Une fois que les gens sont sortis, c'est très difficile de les faire revenir avec quelque chose qui ne leur apporte pas grand-chose de plus que l'utilisation équitable, ou qui ne leur coûte pas grand-chose de plus, mais qui apporte peut-être pas grand-chose de plus que l'utilisation équitable. Donc, on en arrive au point où il y a plusieurs questions qui se posent puis qui affectent les deux aspects. La première, c'est
On a une question de, on va dire, déconnexion manifeste entre la manière dont les prix sont fixés par les sociétés de gestion collective et la valeur de l'utilisation telle que perçue ou chiffrée par les utilisateurs. C'est particulièrement flagrant dans le cas d'Access Copyright parce qu'on a réussi à avoir des chiffres, mais c'est toute la question de la neutralité technologique dans le contexte de SODRAC, qui est, bon, c'est bien, on a changé le processus, qu'est-ce que ça nous apporte et comment on le règle. Ce que, à mon avis, la décision SODRAC fait, c'est, on va dire, essayer de revenir à cette question de c'est quoi l'utilité qui est dérivée par les utilisateurs d'une licence. Le problème, c'est qu'en faisant ça, elle met les sociétés de gestion collective dans une position qui est pratiquement intenable. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, on va en discuter un petit peu. Le problème, c'est que dès qu'on commence à les mettre en difficulté, l'approche qu'elles vont avoir tendance à prendre va être extrêmement agressive et va être de plus en plus déconnectée de la valeur ou du programme et de plus en plus connectée à ce qu'ils considèrent être le montant nécessaire pour leur propre survie. L'autre problème, c'est que lorsqu'il y a une question d'adaptation, les sociétés de gestion collective ont tendance à aller chercher des solutions ou des manières de chiffrer les redevances qui vont garantir exactement les mêmes résultats, indépendamment du format. Et donc ça, c'est un problème parce que, dans le fond, ça revient à maintenir une forme d'industrie qui, finalement, est peut-être en train de devenir obsolète. Donc, en termes de ce que la décision SODRAC fait, moi, je pense que c'est une manière intéressante de rappeler qu'il faut que la licence corresponde à quelque chose pour les consommateurs de la licence, parce que sinon, le système ne sert plus à rien. Access Copyright va vraiment être intéressant, j'ai hâte que la décision sorte. Je ne sais pas dans quelle mesure ça aura un effet aussi dévastateur sur d'autres types de sociétés de gestion collective, du fait des types de fournisseurs de licences qui sont disponibles. Le deuxième problème qui est lié à la décision SODRAC, c'est qu'on renvoie la question à la commission de droit d'auteur. Et je pense que ça met en lumière le fait que la commission de droit d'auteur, qui a un rôle charnière dans tout ça, est en train de devenir dépassée. Dépassée par, elle n'a pas les moyens de traiter les dossiers correctement, dépassée par la complexité des dossiers. J'ai assisté à la première journée d'audience pour le tarif Access Copyright. On avait prévu 4 journées d'audience. Sur les 4 journées d'audience, il y avait 3 qui étaient destinées à des spécialistes et des économistes. À un moment donné, il y a une question de temps et de moyens qui rend la commission, on va dire, très très lente dans sa prise de décision. L'autre problème, c'est que parce que c'est très lent, parce que c'est très onéreux, le processus devant la commission de droit d'auteur, qui est théoriquement un processus dans lequel chaque partie va avancer ses arguments, est en train de devenir un processus qui est particulièrement unilatéral. Lorsque j'ai assisté aux audiences, il y a une couple de semaines, il y avait Access Copyright d'un côté, un intervenant individuel de l'autre, et tous les autres intervenants qui avaient commencé dans le contexte du tarif étaient partis. Et donc, l'autre question qu'on peut commencer à se poser, c'est jusqu'à quel point la commission est capable de fonctionner dans un contexte où elle n'a plus le support d'un processus où les deux parties apportent leur eau au moulin pour rendre des décisions qui sont extrêmement complexes. Le troisième problème, et il est lié à la question de la survie des sociétés de gestion collective, est que de par leur nature, il est extrêmement compliqué de prendre des mesures qui sont provisoires. Et donc l'exemple que je vous avais sorti, c'est dans le contexte de SODRA contre Radio-Canada, une décision connexe, qui n'est pas celle dans laquelle je vous ai parlé tout de suite, mais qui illustre en fait les difficultés des sociétés de gestion collective en ce moment. SODRAC a demandé à ce que, en intérim, des tarifs lui soient versés. Pourquoi ? Parce qu'ils considèrent que Radio-Canada continue de faire une utilisation et que, dans ce temps-là, il devrait continuer à percevoir des redevances. Radio-Canada a, à juste titre, je pense, mentionné que si le moment où on transmet de l'argent aux sociétés de gestion collective, cet argent-là va être automatiquement distribué aux membres et la possibilité de le recouvrer va être inexistante.
Donc, c'est particulièrement illustré ici, qui insiste sur le fait que le tarif qui était demandé en intérim par Sodrac n'était pas un montant qui était anodin, et que s'il avait été accordé, il aurait été virtuellement impossible de le récupérer pour Radio Canada si jamais ils avaient été capables de prouver qu'ils n'avaient pas payé de redevance en premier lieu. Donc ça, c'est là, on arrive dans cette situation où les sociétés de gestion collective, en fait, on fait des demandes en matière de droit d'auteur, c'est devant la commission, puis en cours. Ces demandes vont être résolues dans un temps qui n'est pas immédiat. On a de la chance ici dans 4 ou 5 ans. Elles en arrivent au stade où, même si elles gagnent, elles ne vont plus être capables d'assurer leur propre subsistance pendant les 5 prochaines années. Donc, je ne dis pas que le mécanisme de gestion collective n'est pas parfait, mais je pense qu'il a quand même ses avantages. Et le gros problème de cette décision-là, c'est qu'elle elle va, je pense, peut-être rendre impossible le travail de certaines sociétés de gestion collective pendant les 5 prochaines années. Et puis c'est un problème, pas parce qu'elles ont un droit d'exister, mais parce que, dans le fond, le résultat est lié au processus plus qu'au fond et au droit. Et c'est vraiment problématique. Cela étant dit, il y a quand même un petit peu de lumière au bout du tunnel, en tout cas du côté, enfin, je pense, du côté d'Access Copyright. Access Copyright a, je pense, compris un petit peu tard que ça prenait de repenser les montants qu'on chargeait aux utilisateurs. Bon. Je pense qu'ils sont dans la bonne direction. Ils viennent de changer leur conseil d'administration. Ils sont passés d'un conseil d'administration qui était exclusivement composé de membres, donc de titulaires de droits d'auteur, un conseil d'administration qui comprend maintenant des gens de la communauté. Je sais qu'ils ont un bibliothécaire, ils ont d'autres éditeurs commerciaux, mais l'idée, c'est de diversifier un peu le type de personnes qui vont être sur le conseil d'administration. Et la raison pour laquelle je pense que c'est une bonne nouvelle, c'est que ça veut dire qu'avec un peu de chance, il va y avoir peut-être une vision un peu plus... peut-être pas collectif, c'est pas le mot que je cherche, mais avec plusieurs facettes qui va peut-être changer la direction qui est prise par Access Copyright en termes de tarifs, en termes de décision de poursuivre. Donc bah là, je pense que c'est le moment de revenir à mon image de début. Tout ça, c'est de la prédiction. On ne peut pas vraiment savoir où ça s'en va. Mais bon, j'espère qu'on ne va pas complètement détruire le mécanisme de gestion collective qui a quand même ses intérêts, même s'il n'est pas parfait. Okay, merci. Alors, j'ai bien compris mon rôle. Je pense que tu avais dit chien batailleur, hein, Vincent? J'ai mal entendu le mot que tu as utilisé pour me décrire, mais chien batailleur, on va y aller pour ça. Non, c'était pas ça. Non. Bâtard. Oui, je sais, mais j'essaie de mettre des mots dans ta bouche, mais ça n'a pas marché. Bon, enfin, mais je préfère batailleur, personnellement. Mais oui, pour vous dire que j'ai un bagage différent et je dois avouer que... à l'Université Concordia, j'ai quand même été impliqué dans le dossier de la gestion collective. Donc, je ne vais pas parler spécifiquement de Concordia, je vais juste mettre ça absolument clair, puisque j'ai un devoir de loyauté envers mon employeur et que j'ai participé à des conversations privées à l'interne. Ça, je ne peux pas évoquer ces choses-là, mais je le mets quand même sur la table pour créer une petite boîte que je mets de côté. Il y a un mouton dedans de cette boîte-là, je ne peux pas parler du mouton. Donc, je prends mon côté de chien batailleur, je le divise en deux parties, il le faut. La première partie, c'est le concept de « underdog », c'est-à-dire le survenant, qu'on dirait en québécois. L'idée qu'il y a une famille bien établie, fermière, je pense au roman de Geneviève Guenève-Remond, si je ne m'abuse, c'est son nom de famille, le survenant. Donc, il y a une famille bien établie, des pratiques, les sociétés de gestion collective perçoivent des redevances, c'est ça l'ordre. Et puis là, ben, c'est quoi le survenant? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on pourrait parler, tu as parlé de la technologie, de la mondialisation, du marché. C'est des facteurs comme ça qui changent beaucoup les choses. Je suis content que tu aies pointé le doigt particulièrement sur la commission du droit d'auteur et pas juste sur les sociétés de gestion collective parce que je pense qu'il y a une réforme à faire. Il y a à réfléchir à ce que cette institution-là fait spécifiquement. Je suis content aussi que tu aies inclus la commission du droit d'auteur dans la partie sur les exceptions, ce
qui m'a surpris, mais je suis ravi de ça pour différentes raisons. Ben, je ne sais pas si ça te... Si, je suis curieux de savoir pourquoi... Si tu regardes le tarif sur la reprographie dans le contexte gouvernemental... Oui. OK, c'est pour ça. Donc, oui, parce que de toute évidence, la frontière entre l'utilisation équitable et la nécessité de négocier une licence devient le modus operandi de la société de gestion, donc le champ d'intervention. Mais il y a un truc que je pense que la Commission ne connaît pas, un concept que les sociétés arabes ont développé il y a plusieurs millénaires de ça, c'est le concept du zéro. Hein? Parce que oui, on peut dire qu'il y a effectivement une utilisation qui relève de l'article 3, qui relève d'un droit réservé, mais cette valeur-là peut être zéro. Donc, je pense qu'ils ne connaissent pas ce concept-là. Il y aurait peut-être intérêt à comprendre ce que ça veut dire, le zéro. Mais ça, c'est mon éditorial de chien batailleur. Oui, effectivement, selon la Commission du droit d'auteur, je ne peux pas dire que c'est efficace ou inefficace. J'ai des échos de mes collègues dans le monde des bibliothécaires que c'est absurde. Pour une œuvre orpheline, avoir 2 ans de démarche de recherche au niveau de la commission, ça ne marche pas quand on veut numériser le corpus entier de la littérature québécoise. Hein. Alors, je ne vous dis pas à qui je pense spécifiquement puis à qui j'ai parlé pour avoir ce tuyau-là, mais vous voyez un peu le genre de scénario. Donc, il y a vraiment un autre... Moi, ce que j'aimerais peut-être voir au niveau de la Commission du droit d'auteur, c'est qu'ils homologuent des pratiques d'utilisation équitable. Ou oui, on peut dire qu'il y a effectivement un recours à un droit réservé, mais que cette valeur-là est zéro. Et donc, enfin, ça c'est un vieux pieux là, du survenant dans la famille agricole établie québécoise. Donc, le concept du zéro, la réforme de la Commission du droit d'auteur. Puis, je suis très tenté de tirer des liens entre la Commission au Canada et le rôle du Library of Congress dans l'établissement des exceptions, justement, parce que c'est un rôle qui est conféré à la Library of Congress, dans son Copyright Office, de négocier des exceptions qui s'appliqueraient. Donc, à tous les 3 ans, il y a un système de réforme d'exception. Donc, peut-être que ça serait une façon de mélanger un peu les choses, d'être un... du point de vue du survenant là, dans ce débat-là. L'autre concept que je veux associer au chien batailleur, c'est le jeu de quilles. Hein? Alors, qui dit chien dans un jeu de quilles, c'est quelqu'un qui vient foutre le bordel. Et donc, ça va me faire plaisir de mettre ce chapeau-là. Et ça, là-dessus, on va le lier au contrat, donc à ta première partie. Puis c'est effectivement, selon moi, ce qui vient changer la donne complètement, surtout dans le milieu universitaire. Je suis content que tu aies évoqué ce milieu-là, que je connais très bien parce que c'est la troisième partie de ma thèse. Alors, j'ai l'habitude de dire que pour les commentaires, je répondrai par la bouche de mon carnet, hein, assistant Frontenac, mais dans ce cas-ci, je veux dire, je répondrai par la bouche de ma thèse, que c'est quand même un gros morceau à avaler. Mais bon, le point avec les contrats, je vais peut-être vous donner un petit peu de contexte par rapport aux chiffres au Québec sur les universités québécoises. Les universités dépensent 80 millions de dollars par année uniquement pour leur collection de bibliothèques. 80 millions, OK? Et ce n'est pas juste le dollar américain qui nous fait mal, hein, c'est aussi l'euro. Parce qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui sont allemands, néerlandais, etc. Je n'ai rien contre, c'est des super beaux pays que j'adore. D'ailleurs, ils ont plein de subventions pour aller visiter que j'ai bien l'intention d'invoquer dans ma longue carrière académique. Mais le point ici central, c'est que le 3/4, et puis j'ai utilisé les chiffres de l'ancienne CREPUC qui s'appelle maintenant BCI, Bureau de coopération interuniversitaire, qui ont diffusé les chiffres de dépenses d'abonnement des bibliothèques universitaires depuis les 20 dernières années. Ça va être dans mon troisième chapitre, j'ai étudié ça. Mais le point, c'est que le 3/4 de ces dépenses-là, c'est pour du numérique. Et le paradigme dominant de ces collections-là, de ces accès-là, c'est que c'est maintenant un contrat où les termes sont négociés. Alors moi, j'étudie comment les universités en sont arrivées à établir les termes des contrats avec les éditeurs universitaires. Mais ce qui est vraiment fascinant, puis c'est ce que j'ai découvert, c'est que dans ce contrat-là, les universités ont décidé de statuer la légalité de certains usages qui sont directement en lien avec des exceptions dans la loi. Alors, la question de savoir pourquoi est-ce qu'une bibliothèque universitaire va préciser un usage dans un contrat qui est permis du point de vue d'une exception, moi, je trouve ça fascinant parce que c'est là où ton argument de risque entre en ligne de compte par rapport à les utilisations équitables. Donc, pour éliminer le risque, les universités ont été établir des usages dans les contrats qui sont relevés par les exceptions de la loi. Donc, par rapport au contrat, je trouve que l'argument des coûts de transaction, moi, ça ne me satisfait plus personnellement.
mais tu as passé aussi à la possibilité de négocier. Mais moi, c'est là que je veux en venir, c'est que la frontière, si le champ d'action de la Commission du droit d'auteur, c'est la frontière entre les exceptions et le recours à une redevance pour un droit réservé, si c'est ça la frontière, ben peut-être que le contrat, c'est un meilleur moyen que d'aller demander une redevance au niveau de la Commission du droit d'auteur. C'est-à-dire que d'essayer d'agir entre agents coordonnés pour avoir un marché qui émerge à l'intérieur des œuvres. Et puis là, ben, puis c'est ça la fameuse main du marché qui vient calibrer tout, plutôt que d'avoir une commission qui intervient pour édicter des paramètres de licence. Alors là, moi, je trouve ça fascinant parce que c'est effectivement ce qu'on constate. Alors la question devient, comment mutualiser des corpus d'œuvres pour avoir une masse critique afin de générer une externalité positive et un effet réseau dans les accès. Puis, moi, j'ai mon opinion personnelle là-dessus, qui est plus ou moins reliée à ce que tu viens de dire, c'est que l'idée que les contrats émergent... Attendez, j'ai en train de perdre mon fil. Là, j'ai un super graphique ici avec plein de flèches qui pointent partout. Là. Mais l'idée, c'est que... si on positionne l'exception comme quelque chose de néfaste, si une exception au droit d'auteur, c'est néfaste, cette proposition-là, moi, je la trouve fausse. Moi, je la trouve erronée. Je pense que l'exception devient un mécanisme pour étudier comment une communauté va interagir avec un corpus d'œuvres protégé par droit d'auteur. L'exception devient la latitude que l'on a pour innover. Puis là, quand je dis « on », c'est littéralement les bibliothèques, les utilisateurs, la communauté. Quand on comprend ça, quand on leur donne du « lus », comme on dit en latin, bien là, on peut voir qu'est-ce qui a de la valeur pour ces communautés-là. Et ensuite, on peut tenter de codifier cette valeur-là dans une relation contractuelle qui pourrait être entérinée ou non par la commission. Mais le point étant ici, puis je fais un lien entre contre-exception, puis une espèce de suprastructure par rapport à tout ça. Si on regarde comment les différentes juridictions à travers la planète ont calibré leurs droits d'auteur entre des exceptions fortes, comme aux États-Unis avec le Fair Use, et très peu d'exceptions comme en Europe, bien, si on compare le foisonnement dans certaines industries, puis on essaye de voir si c'est causé ou si c'est tributaire de cette flexibilité-là, on peut voir aussi que ça amène à un dynamisme dans le marché de l'exploitation des œuvres protégées. Donc, moi, l'hypothèse que j'aimerais soumettre, là, qui découle de ta présentation, c'est que peut-être que les exceptions, ça mène à de l'innovation. Et cette innovation-là, si on laisse la latitude aux utilisateurs d'œuvres protégées, cette latitude-là, peut-être qu'ensuite l'industrie peut comprendre comment monétiser cette innovation, cet intérêt-là pour l'œuvre. C'est-à-dire que ce que moi j'ai peur qu'arrive, c'est ce que j'ai vu un peu dans le jugement Sodrac et dans le cas Access Copyright contre les bibliothèques, c'est qu'on ne veut pas les exceptions. Il faut tout de suite établir des modalités d'entente qui va d'éditer qu'est-ce qu'on peut faire et ne pas faire. Mais ça, selon moi, ce n'est pas ça la voie d'avenir. Il faut laisser les gens voir comment est-ce qu'on peut s'approprier le numérique. Puis à partir de ça, on va pouvoir avoir des relations contractuelles. Je vais vous donner un exemple très précis. Une des clauses que les bibliothécaires veulent négocier dans ces licences d'accès-là, c'est le droit d'inclure dans des environnements numériques de cours. C'est spécifiquement ce que la licence d'accès copyright veut couvrir. Mais c'est ce que les bibliothèques ont été capables de négocier auprès des éditeurs. Alors, quel est le meilleur chemin selon vous? Hein? Si on a des choix dans la société, est-ce qu'on va essayer de demander à la Commission du droit d'auteur d'établir un tarif ou une relation contractuelle en s'assoyant avec le co-contractant? Bon. Ou est-ce que c'est plus facile de ramasser de l'argent puis d'essayer de convaincre son co-contractant d'avoir accès à cet argent-là en négociant des accès par contrat? Moi, j'ai eu tendance à croire que la deuxième option est meilleure, donc d'avoir un régime où il y a des exceptions flexibles pour permettre ensuite de codifier la relation contractuelle face à cette innovation-là sociale. Donc, ça, c'est mon... Je ne sais pas si tu as des commentaires par rapport à ça, mais c'est essayer de résoudre l'énigme un peu que tu tisses là, entre les contrats, les exceptions, la frontière entre les deux, le rôle de la commission des sociétés de gestion. Je pense pas que le problème, ce soit l'existence de l'exception. Puis je pense pas que, moi, je n'ai pas vu la décision comme essayant à tout prix de circonscrire les exceptions. Le problème, c'est comme tu dis, c'est la frontière de l'exception. Mmh. C'est là le problème. Moi, je pense que plus large, le mieux, là. Mais malheureusement, si tu prends ça d'un point de vue de gestion de risque, en général, la marche pas. C'est ça. Puis en fait, c'est ce que l'Université Laval a fait, hein, il faut le dire. L'Université Laval, quand vous étudiez sa politique sur le droit d'auteur et sa documentation qui fait plus de 100 pages juste pour expliquer le droit d'auteur, là, le mémoire qu'elle a mis sur son site web, le bureau
du droit d'auteur qui est très étoffé, absolument fascinant pour un juriste, mais je peux juste imaginer qu'un professeur qui prépare son cours n'a pas le temps de... mais d'ailleurs, le service des bibliothèques de l'Université Laval offre d'excellents conseils aux professeurs aussi. Mais ce que l'université a fait, c'est qu'elle a distribué le risque dans les feuilles du réseau. Si on prend le réseau, si on prend la communauté universitaire comme un réseau interconnecté, bien, c'est les professeurs qui ont le risque sur leurs épaules actuellement. Que l'université a dit, voici les règles directrices et c'est aux profs de s'assurer qu'ils respectent nos règles. Alors, ils ont pelleté la neige dans la cour des professeurs en disant, là, c'est votre problème maintenant. Le risque, c'était la solution à l'université. C'est un peu dommage, finalement, parce que... puis, ils ont tenté d'outiller les profs, puis ils vérifient les cartes de cours, les contenus de cours. Mais le risque, c'est pas le seul... moi, selon moi, pour en revenir au risque, puis à la frontière entre les deux, moi, je pense qu'on ne devrait pas avoir de frontière. Moi, je pense que la solution que j'essaie de proposer, c'est grâce aux exceptions, innovons, voyons qu'est-ce qu'on peut faire avec les nouvelles technologies, invoquons les exceptions, constatons à quel point ça coûte cher aux institutions d'invoquer les exceptions, et ensuite, allons voir les co-contracteurs pour dire, écoutez, on peut le faire gratuitement dans la loi, on veut que vous soyez sains, que vous subsistez à vos frais, trouvons un... Mais il faut jouer ce jeu-là, il faut jouer ce jeu de poker un peu avec sociétés de gestion, puis les titulaires. C'est inévitable. Donc, la tendance lourde dans les universités, c'est que maintenant, l'accès, c'est numérique. C'est négocié par contrat d'emblée avec les éditeurs. On peut se demander à quel moment est-ce que les sociétés de gestion collective vont pouvoir intervenir sur un corpus qui est de plus en plus petit du point de vue de l'université, puis qui va gérer ses accès d'une façon proactive auprès des titulaires directement. Bien ça, cette question-là, moi, j'ai ma réponse. La réponse, c'est zéro. Je l'ai mentionné plus tôt. Ça ne vaut pas grand-chose après une licence de société de gestion collective, surtout que les institutions sont déjà diligentes à chercher. Dans le cas de Radio-Canada puis de la SOCA, c'est le contexte est un petit peu différent. Je pense que le modèle est similaire. C'est sûr que la Cour a suivi le thème de la neutralité technologique puis de la mise en équilibre, qui, selon moi, c'est vraiment une belle façon d'avoir une approche téléologique à la dynamique, c'est-à-dire de voir le outcome, le but, la vision globale autour de ce système-là. Il aurait pu aussi, Radio-Can aurait pu déclarer qu'ils sont une bibliothèque puis invoquer les exceptions. Moi, c'est ce que j'aurais fait. Hein. J'aurais dit que Radio-Canada, c'est une bibliothèque. Puis ça, mais ça aurait peut-être pas marché. Il faut convaincre trop de gens pour ça. Mais enfin, moi, je trouve ça intéressant d'avoir enraciné la mise en équilibre puis la neutralité technologique au niveau de la Cour suprême. À tout le moins, c'est un des bénéfices de ce jugement-là, selon moi. Mais tu as raison, on est sur la même longueur d'onde là-dessus. Moi, je suis peut-être plus schumpeterien en ce qui concerne des sociétés de gestion collective, dans le sens que c'est la création destructive via les exceptions qui va nous montrer la voie d'avenir, selon moi. Mais c'était pas très polémique, là. C'était pas très... lancer le bal avec